Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler d'achat-revente, on va parler d'un business, passer de 10 à 100 euros en l'espace d'un petit mois pour pouvoir se construire un capital. J'ai voulu tester ce business pour vous montrer que c'est possible de passer de 10 à 100 euros en l'espace d'un petit mois avec des achats, des envois et acheter 3-4 produits pour arriver aux 100 euros assez facilement, sans trop de difficultés tout simplement. Donc pour commencer dans cette vidéo, tout simplement, le premier objet qu'on va acheter, le premier vêtement qu'on va pouvoir acheter, ça va être essentiel de choisir un bon vêtement qui va vous faire gagner beaucoup d'argent pour par la suite en acheter plusieurs et faire la rentabilité de 100 euros pour se faire le capital. Donc pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement aller sur mon bot Vinted qui est dans la bio, d'accord, mon bot Discord, et aller chercher pendant plusieurs heures la pépite qui va me permettre de générer mes premiers résultats pour ce business. Donc là on se retrouve plusieurs jours après, j'ai enfin trouvé la pépite qui va me permettre de générer de l'argent, je vais montrer ça tout de suite. C'est tout simplement une petite veste Adidas qui est, ma foi, vraiment quali. Je la trouve plutôt correcte. Je l'ai payé 6 euros TTC, donc toute taxe comprise, donc avec les frais de port et les pourcentages que Vinted prend. Et tout simplement, je l'ai vendu 45 euros. Je vous mettrai des screens de la vente. Donc c'est plutôt rentable, on va pas se mentir. Pour une première vente, c'est très très rentable et ça va nous permettre de continuer ce business. Ce capital de 45 euros va nous permettre d'acheter d'autres vêtements pour pouvoir par la suite réussir ce défi d'atteindre les 100 euros, de 10 à 100 euros en l'espace de moins d'un mois. N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord, vous y trouverez notre bot Vinted, tout est dans la description. Donc là on se retrouve sur le bot Discord qu'il y a dans ma bio, donc pour moi c'est un très très bon Discord, on va essayer de chercher tout simplement des vêtements que je vais pouvoir cop et que je vais pouvoir revendre par la suite, des vêtements qui sont le plus intéressant possible, qui peuvent me rapporter le plus d'argent possible. Tout simplement, et on peut voir qu'il y a des petites pièces sympathiques comme par exemple ce Dickies qui est à 10 euros. Un pantalon Dickies à 10 euros, c'est pas très cher, et je pense que ça va nous permettre de générer du résultat. Ouais, clairement, c'est pas mal. Il y a une petite tache ici, ça a peut-être décoté un petit peu le pantalon, mais le pantalon Dickies est en soi très intéressant. Pour un deuxième achat, ça pourrait être pas mal. La même chose pour ça, un petit pantalon Levi's. Taille L, 11 euros, ça peut être pas mal aussi, c'est un 501. Donc pour ma part, je trouve que le pantalon Dickies est vraiment intéressant parce qu'il est à 10 euros, il est en taille M, en très bon état, et en plus il est en envoi rapide, donc on a tout intérêt à l'acheter et faire du bénéfice rapidement. Donc je vous tiendrai au courant de la vente et on se retrouve dans quelques jours. Donc on se retrouve une semaine après, j'ai réussi à cop deux pantalons Carhartt, je vais vous les montrer tout de suite. Vous allez me demander pourquoi je n'ai pas acheté le pantalon Dickies, tout simplement parce qu'on a acheté le pantalon avant moi, donc j'ai un peu loupé l'offre. C'est dommage, ça aurait pu faire une belle plus-value. J'ai eu la chance, juste après avoir trouvé le pantalon Dickies, de trouver deux pantalons Carhartt pour le prix de 15 euros que je vais vous montrer. Ça va sûrement me générer beaucoup, beaucoup d'argent, je pense vers les 50, 60, voire 70 euros. Donc c'est plutôt cool, je vais vous les montrer. Donc voilà le premier pantalon Carhartt, donc c'est un pantalon plutôt basique, un peu large, etc. Avec le petit logo Carhartt qui est juste là, que je trouve vraiment très joli. Voilà, il est en parfait état. Et voilà le deuxième pantalon Carhartt, donc c'est à peu près exactement la même chose. Un pantalon Carhartt basique, voilà, avec le petit logo sur le côté, juste là. Voilà, plutôt basique, ça va se vendre tous les deux, je pense, à mon avis, vers les 30 euros, en tout cas j'espère. Je vous tiendrai au courant. Donc on se retrouve pour le troisième jour, j'ai pu vendre les deux jeans Carhartt pour un total de 25 euros chacun, donc ce qui fait 50 euros, donc c'est-à-dire que j'ai un capital de 80 euros en l'espace de à peu près 2 semaines, donc c'est plutôt intéressant et franchement je suis assez fier de moi. Pendant la vente des deux jeans Carhartt, j'ai pu cop ce magnifique du coup polo Nike que je trouve très très joli. Je l'ai payé 6 euros TTC avec frais de port, du coup TTC, donc toute taxe comprise. Donc qui comprend l'achat du vêtement plus les frais de Vinted plus l'envoi. Donc 6 euros pour ce magnifique polo, je trouve ça plutôt cool et je pense que je le revendrai vers les 30 euros. Je vous retrouve dans quelques jours pour vous montrer combien j'ai pu vendre ce polo Nike et pourquoi pas atteindre les 100 euros du coup pour terminer ce business, pour pouvoir le valider. À tout de suite. La vidéo touche à sa fin, nous sommes sur la dernière partie. Ça fait 3 semaines que du coup on achète des vêtements, qu'on cherche et qu'on les vend pour pouvoir réussir ce défi entre guillemets de 10 à 100 euros en l'espace de moins d'un mois pour du coup construire un capital et pouvoir investir grandement dans l'achat-revente. Du coup j'ai réussi à vendre ce magnifique polo Nike pour un prix de 32 euros, ce qui me fait un capital de 106 euros en l'espace de 3 semaines.
Donc du coup, on peut dire que le défi de 10 à 100 euros est validé en moins d'un mois, puisque du coup, on l'a fait en 3 semaines et on a réussi à vendre au total 4 articles, donc une polaire, deux jeans et un polo. Donc du coup, on peut dire qu'on a réussi l'objectif et que en soi, ce n'est pas si compliqué que ça de se faire un objectif de 10 à 100 euros en l'espace de moins d'un mois. Vous pouvez vraiment vous construire un capital de 100 euros déjà en achat-vente quand vous avez 14, 15, 16, 17 ans et pouvoir par la suite investir beaucoup plus dans l'achat-vente. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Passez une excellente semaine. On se retrouve vendredi prochain. Tchuss!